Amis, amis, moi, famille, moi, quelque soit côté où est dans moment ça, nous prenons le temps pour nous saluer au nom de Jésus-Christ qui a tout pouvoir. C'est vraiment un cœur content, une joie pour moi à chaque fois que nous avons possibilité pour parler ensemble avec nous. Nous connaissons à chaque fois nous rencontrer avec moi. C'est deux paroles bon Dieu qui m'ont venu parler ensemble avec nous. Et je dis encore, m'ont venu parler ensemble avec nous de la parole de Dieu. Mais ça qui est important, je voulais attirer l'esprit de yon bagay qui est vraiment important. Qui c'est la vie en Jésus-Christ. La vie en Jésus-Christ. Je vais parler de la vie en Jésus-Christ. Zami moi, avant que nous commencer, moi dis merci d'est-ce que vous partagez message et merci d'est-ce que vous abonnez et merci d'est-ce que vous faites le kounya. Nous saluons et nous dit que Dieu lui-même est capable de bénir en retour par rapport avec abonnement que vous banons. Encouragement que banon le travail. Moi dis que Jésus-Christ li vini sous terre ça. Mais raison qui permet à ce que li vini premièrement parce que l'humanité nan nécessité un sauveur. L'humanité doit un sauveur. Parce que premier bagage m'a dit nous besoin sauver et nous devons sauver. Ça fait nous dire que nous devons sauver parce que la parole de Dieu dit dans Romains 3, 23 qu'à tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde fait péché et est privé de gloire de Dieu. Ça veut dire dès qu'on parle de gloire de Dieu, loin de la présence de Dieu, ou destiné pour aller dans l'enfer. Et qui ça permet à ce que nous pas gain gloire bon Dieu c'est péché adamique là. Nous dit le salaire du péché c'est la mort. Salaire péché c'est la mort parce que Dieu t'a dit avec Adam le jour où tu en mangeras tu mourras certainement. Ni mourir spirituellement parce que Dieu t'a mis au dehors dans le jardin et ni mourir physiquement parce que Adam pas existé encore. Et la mort spirituelle, hein, c'est l'enfer. Car Dieu lui-même lui fait plein à lui fait plein de rédemption immédiatement par amour qu'il gagne. Ouais que c'est vrai, il mettait au dehors dans le jardin, mais il couvre avec un pot bélier. C'est comme il fait un sacrifice, symbole de Jésus-Christ. Il couvre Monsieur Damio avec un bélier. Il est tiré par une banane qui était sur lui et mettait. Pour bête là. Mais pour nous avancer, c'est juste pour nous dire que péché adamique là, l'hypothé la mort. Péché adamique là, l'hypothé la mort. Parce que il dit, dans Romains chapitre 5, verset 12, il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et la mort, le péché, ainsi la mort passe sur tous les hommes. Et quoi tous ont péché. Dans Romains chapitre 5, verset 12. Par un seul monde, péché a entré dans le monde. Là. Un seul monde porté péché à savoir Adam. Il dit, et comme il est déterminé aux hommes de mourir une fois, mais après cela vient le jugement. Péché a entré par Adam et péché a mené nous dans la mort. Dès que nous mourir, nous pas simplement mourir, mais nous pral juger. Premier bagage me dit que vous avez besoin d'être sauvé. Vous avez besoin d'être sauvé. Parce que il dit nous comme il est déterminé aux hommes de mourir une seule fois. Après cela vient le jugement. Après que nous finissons, après tout le monde finit mourir,
mais yo gagne pour juger, car le salaire du péché c'est la mort. Mais yon bagay qui important, deuxième chose que me voulais dire, péché ça nous pas qu'à épanier tête nous la donne. C'est vrai, péché a entré dans monde là, Adam porter péché a désobéissance là qui permet à ce que nous aller dans jugement et nous pas qu'à sauver tête nous de désobéissance là. Il dit car par la grâce vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous. C'est le don gratuit de Dieu, non par les œuvres, afin que l'homme ne se vante. Il nous sauva non par les œuvres de droiture que nous avons faites, mais selon sa miséricorde. Ça, c'est Jésus-Christ qui parlait. L'homme n'a pas sauvé la tête. Par conséquent, par les actions de la loi, il n'y a aucune chair justifiée à sa vue. Car par la loi vient la connaissance du péché. La loi lui montre nous que nous péchons. Mais la loi pas qu'à sauver. L'homme pas effort pour obéir avec la loi pas qu'à sauver. L'homme pas effort dans œuvre ça pas qu'à sauver. Mais ça qui est vraiment important m'a dit en troisième lieu, c'est que Dieu lui-même il fait provision pour nous. Dieu fait provision pour salut nous, à savoir Jésus-Christ. Dieu voyait Jésus-Christ, sauveur, vient mourir pour nous. Il dit, car Dieu nous a pas destiné, assigné au cours, obtenir, mais à obtenir le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 9. Il dit car Dieu ne nous a pas assigné au cours. Dieu pas destiné nous condamné nous pour mourir pour aller dans l'enfer. Mais pour nous recevoir le salut en Jésus-Christ. Dieu pas gagné objectif pour l'humanité à périr. Mais Dieu gagné objectif pour que tout le monde parvenir à la connaissance sur notre sauveur Jésus-Christ. Pour nous connaître que il y a un nouveau chemin. C'est le chemin la qui est vérité. Car Jésus-Christ dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit que c'est chemin hein, vérité et la vie dans Jean chapitre 4 chapitre 14 verset 6. Moi viens dire ça parce que liste important pour qu'on ait péché condamné mais Jésus-Christ libéré. Il dit le salaire du péché c'est la mort mais le don gratuit de Dieu c'est la vie en abondance en Jésus-Christ. Il dit que quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. N'importe monde qui croit en Jésus-Christ, péché Adam, pas qu'à condamner yo, mais avec la vie éternelle, la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. N'importe monde qui croit en Jésus-Christ, yo pas péri mais y a bien la vie qui pas jamais finir. Car Christ aussi a souffert une fois pour le péché, le juste pour les injustes. Afin qu'il puisse nous amener à Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 3, verset 18, apôtre Pierre dit nous, Jésus-Christ, il souffrit une seule fois pour que, pour nous-mêmes qui sommes pécheurs, lui-même qui est juste sans péché, il vient faire passer tête comme un pécheur pour nous-mêmes qui sommes injustes. Amen. C'est la grande provision que Dieu lui-même li fait pour nous. Quatrième bagage que moi vinn dire ou besoin accepter Jésus ou besoin recevoir Jésus dans la vie. Parce que Jésus-Christ capable libérer ou. Jésus-Christ doté de tout pouvoir pour capable ba ou la vie éternelle. Parce qu'il dit
Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Elle dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et bien, il est vraiment important pour que vous receviez Jésus-Christ. Il est capable de vous sauver jusqu'à l'extrême de ceux qui viennent à Dieu par lui, puisqu'il vit toujours pour faire intercession pour eux. Jésus-Christ capable d'intercéder et capable de sauver jusqu'à l'extrême. Quelle que soit la quantité de monde qui vient de lui, il est capable de sauver. Parce que l'objectif, c'est de mener par papa. Mes frères et sœurs, vous avez besoin de gagner, vous avez besoin de recevoir Jésus-Christ dans la vie. Vous avez besoin de faire trois bagailles. Après quatre bagailles, mon fils dit là, nous avons besoin de faire trois bagailles. Premier bagaille, vous avez besoin de faire, vous avez besoin de repentir. Vous avez besoin de repentir. Parce que il est vraiment important pour tourner dos au péché. Deuxième chose, vous avez besoin de faire, vous avez besoin de croire en Jésus-Christ et répondre à l'appel. Comme troisième chose. C'est trois bagailles qui sont très simples. C'est repentir, croire en Jésus et répondre à l'appel. Mais t'as remis que ou pas passer en sous silence, ou pas passer message en ça sous silence, ou pas passer sans dire un mot. Si ou déjà accepté Christ comme sauveur, nous déjà dit ou la caillou. Béni soit l'Éternel. Et si ou pour recevoir Jésus-Christ comme sauveur personnel, et moi viens dire reste le temps car les jours sont mauvais. Qu'elle dit, que gagnait-il à un homme? Que ça t'a servi à un monde. Pour t'a gagné tout ça qui est dans le monde. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde et s'il perdait son âme? Ça t'a servi à un monde. Ça t'a chiffré au monde. Pour t'a gagné toute bagaille qui est dans le monde. Et pour t'a perdu dans le monde. Parce que dans le monde, il est important de passer toute bagaille. Même si t'a procédé en pile bien, mais non, c'est lui-même qui est plus important. Moi, je parle avec vous dans la langue maman, dans la langue papa, je viens dire que vous avez besoin de recevoir Jésus-Christ dans la vie. Vous avez besoin de sauver. Vous avez besoin de croire dans Jésus-Christ. Est-ce que vous voulez faire ça? Est-ce que vous avez besoin de faire ça, Kounia? Si vous avez besoin de faire ça, c'est une joie pour moi pour que je prie pour vous. Et vous allez répéter ensemble avec moi. Pendant que vous fermez mes yeux, pendant que vous fermez mes yeux, vous va répéter avec moi parole ça pour que vous capable entrer dans la nouvelle naissance. Fermez mes yeux. Seigneur Jésus, moi reconnais que tu es venu pour mourir pour moi. Moi reconnais que moi c'est un pécheur. Moi reconnais que moi pas bon et moi incapable pour sauver moi. Moi reconnaître que moi fais un pile bagaille qui mal devant Dieu. Moi mande pardon. Moi regrette de tout péché moi yo. Kounya papa. M'a mande recevoir moi la caillou. Pardonner péché moi yo. Sanctifier moi. Justifier moi. Recevoir moi la caillou. Papa, moi mettez toute confiance moi dans ou et moi abandonner toute vie saleté. Moi prie comme ça. Non, non, Jésus-Christ, petit ou un, qu'à vivre, qu'à prier pour tout un guetta. Bon Dieu béni, c'est une belle occasion que nous te gagnons ensemble. C'est un privilège pour que nous te capables ensemble. Et déjà, je vous remercie de ce qu'on a abonné avec Chanel. Et merci de ce qu'on a partagé. Message, ça, à tout le monde qui t'a voulu accepter Christ comme sauveur personnel. Shalom, shalom, mes frères et sœurs.